Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Pierre. Salut Sébastien, salut Barbazer. Coucou. Coucou. Coucou, bienvenue. Coucou à tous et à toutes. Bienvenue pour cette émission exceptionnelle là, depuis le Flocon, Canada. Flocon dit bonjour aussi, Flocon là. Ah, Bonjour. bonjour. Flocon va méditer avec nous. Alors, Pierre est actuellement donc au Canada et il est 4 heures du matin. Donc merci, gratitude. Merci beaucoup pour ce timing. Alors nous avons plein de super questions. Nous allons pouvoir parler de quelques concepts, ne pas aller trop dans le mental et puis parler un petit peu de l'éveil, tes expériences. Et ça va permettre au public de te connaître un petit peu, car moi je te connais depuis quelques années et j'ai toujours été heureux de discuter avec toi sur tes compréhensions. Voilà, merci. Je vous laisse rentrer dans la pièce virtuelle. Eh bien, voilà, merci, 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 merci. Vous pouvez partager cette vidéo avec grand plaisir, comme ça nous serons nombreux. Merci à tous et à toutes d'être là avec nous. Alors, Pierre, on peut commencer, oui, par l'expérience que tu as Mais eue il y a quelques années d'éveil de Kundalini. avant de parler de la Kundalini, parce que c'est comme la cerise sur le sundae, c'est pas ça, la Kundalini, c'est pas le but. C'est de se connaître, premièrement, savoir qui qu'on est, pour sortir de l'illusion dans laquelle qu'on croit être. Est-ce que tu pourrais ne pas te balancer en fait parce que ça fait D'accord. bizarre à l'écran. On va avoir mal au cœur sinon. C'est parce que je suis un fantôme. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, j'aimerais ça qu'on fasse un voyage intérieur. Qu'on se ferme les yeux. Parce qu'on a tendance à se croire une personne dans un monde qui est un corps et qui possède un esprit. Mais moi, je vais vous amener dans une autre approche. On va faire le contraire. On va partir du point de vue de l'esprit, qui est le réel, puis qu'on va s'en aller vers la personne. Mais pour aller vers l'esprit, il faut d'abord réaliser qu'on n'est pas la personne. Fait qu'on va commencer par investiguer c'est quoi qu'on est. Fait qu'on va commencer par le corps. Sentir toutes les sensations qui passent dans notre corps. Ok, donc nous fermons tous les yeux ensemble. Une grande respiration. Là, on visite son corps. Puis on prend conscience de son corps avec son esprit. On voit comment toutes les sensations qui passent dans notre corps sont impermanentes. Que l'esprit qui observe les sensations du corps, lui est permanent. Je ne suis pas le corps. Le corps est l'expression de mon esprit.
Ou aller plus profond. Sur ces sensations subtiles qu'on sent sur le corps, on va sentir les émotions sur notre corps. C'est des mouvements à l'intérieur de notre corps. Une émotion, c'est autant physique que lié au mental. Les émotions bougent. L'esprit observe les émotions. Je ne suis pas les émotions. Les émotions sont l'expression de ma conscience. On va aller plus profondément encore. On va aller au niveau des pensées. Le mental, qui, comme l'air, comme le vent qui souffle, qui n'arrête jamais. Toujours en mouvement. J'observe le mouvement de la pensée avec mon esprit. Seul ce qui est immobile peut observer ce qui est en mouvement. Je ne suis pas la pensée. On va aller encore plus profondément. Et le moi. Quel est ce moi? Une attention que je mets sur une histoire, sur un corps, sur des émotions. Mais tout ça, c'est impermanent. Ce que j'identifie comme moi, la personne, Pierre, que son corps, que ses histoires, tout ça, il n'y a rien de réel. C'est des pensées. Donc, si je suis capable d'observer le moi, c'est que je ne suis pas le moi. C'est que l'esprit observe le moi et l'esprit est le silence dans lequel il observe le moi. Si je vais encore plus profondément, quand je dépasse le moi, il n'y a plus personne. Il n'y a que le silence. Il y a la présence impersonnelle, il y a l'esprit. L'esprit dans lequel tout est en mouvement. L'esprit est ce qui contient le mouvement. Ce n'est pas ce qui est perçu, c'est ce qui perçoit le mouvement. Donc, je ne suis rien de ce que je peux percevoir de moi-même. Absolument rien. Tout cela, c'est un mouvement des sensations, des perceptions. Mais le réel que je suis, c'est le silence qui est derrière, qui est la conscience pure elle-même. Et de là, dans ce silence, tout vibre en moi. Les pensées, les émotions, le corps. Je ne suis plus moi. Je suis tout. Je suis rien et je suis tout. Tout est dans cet esprit qui est le silence. Et c'est ici et maintenant cet esprit. Au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de tout ce qui peut être perçu et manifesté, tout ce qui reste, c'est ce silence et cet esprit qui est le silence. C'est le réel, c'est le soi, c'est au-delà de tout nom, de toute forme. Cela est impersonnel et est manifesté par le personnel. Voilà, c'est là que je voulais vous amener. À partir de là, de l'esprit que nous sommes, on peut voir le monde et comprendre ce que nous sommes dans la manifestation. Merci. Est-ce que tu voudrais qu'on fasse un OM ensemble? Pour unifier notre petit groupe. Je peux faire chanter un petit mantra. Ah oui? C'est le mantra de la lumière que la mère Sri Aurobindo pratiquait à l'ashram Pondicherry. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo
Merci. Alors, on peut faire un petit home tous ensemble parce que les personnes qui sont habituellement sur mon Facebook, nous sommes habitués tous les dimanches à 10h30 à nous unifier comme ça. Alors, on va faire une grande respiration ensemble. Inspirez, inspirez à fond. Retenez 3 secondes. Merci, merci à tous et à toutes d'être avec nous. Alors, cette interview de Pierre Vaillancourt va comporter plusieurs questions, notamment sur la conscience, l'éveil, la réalisation du soi. Voilà, par quoi tu aurais envie de commencer, Pierre ? Il n'y a rien à dire. Tout est là. Ça va être pratique. C'est pas un concept. Il faut être connecté à ce qu'on est. C'est pas aller dans les idées, là. C'est... Si les concepts t'amènent en dehors de toi-même, t'es mieux d'arrêter de penser tout de suite. Reste ici maintenant, puis essaie de voir ce que ces concepts-là sont vraiment dans ta réalité. Sinon, tu te perds dans tes histoires, puis tu vois nulle part. Donc, oui. De quoi tu es, quel sujet tu veux parler, puis on va regarder où ce que c'est en dedans, puis qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est réel ou non? Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment t'en es arrivé là, car il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui sont aussi sur un chemin. Attends, tu veux que je te raconte l'histoire de ma vie, c'est ça? Pas de ta vie, mais cheminement. Le cheminement, oui, les moments importants. Moi, j'en parle aussi de temps en temps, pas pour que les autres fassent la même chose, mais pour voir parfois des choses parallèles. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes dans le public qui ont des expériences qui n'arrivent pas à mettre des mots dessus ou à les comprendre. Et le fait de savoir que d'autres ont vécu des choses un peu similaires et semblables permet d'aider, en fait. C'est dans cette optique-là. D'accord. Tout ça, c'est une histoire entre le soi et le moi, hein. Dans mon cas, c'est entre l'ego et Dieu, entre l'esprit pur et ce que je crois être. Puis, j'ai grandi, ça n'a pas été facile dans ma famille. Mon père n'était pas facile à vivre. Puis, j'ai comme été traumatisé par en dedans. Je me suis renfermé dans moi-même. Je me suis fait une carapace pour me couper du monde, un gros moi qui m'a amené dans la souffrance parce que je me suis coupé du monde, je me suis coupé de ma totalité, donc de l'amour. J'ai sur la chaise parce que ça va nous donner le tournis. Désolé. D'accord. Et puis, c'est ça, j'étais très malheureux, j'avais une angoisse constante de vivre à 8 ans. Je voulais partir. Je demandais qu'on vienne me chercher parce que je trouvais pas ma place dans ce monde-là. Je trouvais que j'étais pas supposé d'être là. C'est comme j'étais venu à contre-cœur. Je me sentais pas à ma place dans. Je comprenais pas pourquoi. Puis je m'enfermais en moi-même parce que je me coupais de ce monde-là qui me rendait malheureux. Je mettais toute la faute sur le monde, bien sûr. Je ne voyais pas que c'était moi qui causait toute cette séparation-là, puis qui créait la division avec tout ce qui m'entourait. Puis pour me sentir bien dans cette souffrance-là, ben, j'ai commencé à prendre de la drogue, à consommer pour geler tout ce que la douleur intense que je vivais. Puis j'ai fait ça durant des années, pour de plus en plus, pour me rendre compte que
n'y avait plus rien qui je laisse ce mal-là. Donc, à un moment donné, je suis arrivé dans une crise existentielle vers l'âge de 30 ans où que j'ai voulu que tout arrête, j'ai voulu passer à l'acte. Mais là, juste avant de le faire, j'ai dit, mon Dieu, s'il y a de quoi, si tu existes, fait qu'il se passe de quoi, sinon je m'en vais, j'en peux plus. Puis, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. C'est un éclair qui m'est rentré par la tête, qui m'a descendu la colonne vertébrale, rendu en bas, ça a fait une pression qui a explosé, qui a monté. Tout mon corps s'est mis à vibrer, électrifié par la jouissance de lumière. Mon cœur s'est rempli d'une joie qui a tout balayé. Toutes les années de souffrance que j'avais eues, tout d'un coup, je ne chantais plus rien que la joie pure, sans raison. Et dans ma tête, c'était lumineux, comme une lumière, aussi comme le soleil, mais qui n'éblouissait pas. Puis en regardant cette lumière-là, ça m'a sorti de moi-même. Je me suis retrouvé dans la lumière. J'étais lumière dans la lumière. Il n'y avait plus de moi, il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus d'espace. Il n'y avait que cela, la lumière dans la lumière. Puis dans cette lumière-là, j'ai vu se former l'univers. J'ai vu les cellules de mon corps en résonance avec l'univers. Puis là, j'ai comme eu la compréhension directe que tout était un et tout était le même soi, que tout l'univers était un seul être, que chaque partie manifestait l'ensemble dans une façon unique et que tout ça, c'était un grand écosystème de conscience tout interrelié. Puis ça cette prise de conscience-là, ça m'a ramené dans mon individualité, dans mon corps. Et là, j'ai senti une communion avec tout ce qui m'entourait. Je n'étais plus là, mais j'étais partout. Mais il n'y avait plus personne. Il n'y avait que ce soi qui se regardait partout. Puis cet amour était en moi et autour de moi, puis ça unissait le monde en moi. Comme tout, j'étais devenu tout. Et je n'étais plus rien en particulier. Ça a été ensuite, ça a comme été le changement de ma vie à ce moment-là que j'ai recommencé à vivre à ce moment-là. Ça, c'était en 1998. Puis après ça, j'ai arrêté de consommer de la drogue, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à faire un cheminement spirituel. Puis là, j'étais allé faire le cours de Vipassana, c'est une technique de méditation que Bouddha enseignait. C'est en 2003 que je suis allé faire Vipassana. Non, 2013. Puis c'est là, après, cette technique-là m'a amené à investiguer mon corps, aller dans tout ce qui se passait qui était en flux constant dans moi, aller dans les sensations du corps pour réaliser que le corps est esprit lui-même. Aller directement au point de contact entre l'esprit et la matière dans notre corps et réaliser que nous ne sommes pas une individualité, que le soi est plus grand que notre petit moi. Il faut se libérer de l'identification au corps pour le réaliser. C'est rien que dans l'investigation de ce que nous sommes que cela peut se faire. Alors c'était quoi la question? En fait, c'était juste ton expérience d'éveil. Oui, c'est ça. Et okay. Justement, par rapport à l'identification, alors, pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, ta compréhension, c'est que nous ne sommes pas la personne, en fait. L'esprit est vide en lui-même. Alors, est-ce qu'on peut dire une définition? Parce que quand tu utilises le mot esprit pour... On l'a dit tantôt, le silence intérieur, c'est l'esprit. Mm-hmm. OK. Et quelle est la différence alors avec la conscience? Ben, l'esprit, présentement, l'esprit qui est dans la chaise que tu es assis dessus, tu n'as aucun contrôle sur les molécules puis sur comment tout se tient et l'univers dans lequel tu t'entoures, même les organes de ton corps, tu contrôles absolument rien. Tes pensées vont et viennent, tu ne les contrôles pas. Tout se fait de lui-même. L'esprit,
Et ce qui manifeste le monde. La manifestation impersonnelle, hein, c'est ce que tu me disais hier. L'esprit, puis le réel, c'est pas ce qu'on voit. Le réel, c'est l'esprit lui-même, le soi lui-même. Le soi, l'esprit, le soi, c'est le silencieux, immobile, le vide. Mais l'esprit, lui, il manifeste le soi. Le soi est sans forme, mais l'esprit le manifeste dans la forme, dans l'expérience, dans le temps. L'espace est créé par l'esprit pour croire qu'il y a quelque chose d'autre que la vacuité qui est la plénitude. Mais cela se connaît en lui-même, par lui-même, dans le concept, mais il veut se apprendre à se redécouvrir dans l'expérience. Pour ça, il faut qu'il croie un monde extérieur. Mais il n'y a rien d'extérieur. Mais... Allô, Pia, ouais. Est-ce que tu peux répéter? Il y a eu un problème Internet momentané. Là, je ne t'entends plus. Allô, allô? Allô, allô, allô. Rien ce qui doit. Voilà, c'est en train de revenir. Je suis désolé, je suis dans un ermitage. Mon Wi-Fi est très mauvais. La maison principale est à 75 pieds. D'accord, ben là, ça va mieux. Ok, donc voilà, c'était intéressant de dire ta définition de l'esprit. Alors, quelle est ta définition pour toi de l'ego finalement? L'ego, c'est l'identification à ce qu'on n'est pas, à une histoire, à une forme. On est le pur esprit qui est vide en lui-même, puis on se croit, on s'est créé un univers que l'univers est réel parce que l'esprit qui l'a créé est réel. Le mouvement est impermanent, mais l'esprit qui le maintient est réel. Donc, tout est l'esprit en lui-même. On n'a jamais quitté notre demeure. C'est déjà là, c'est ce que nous sommes. Mais tout cela, c'est comme projeté. C'est comme un rêve. C'est croire être ailleurs que ce qu'on est, être autre chose que ce qu'on est. Mais pour se découvrir en tant que soi, toujours à partir de la forme, se redécouvrir. Le soi, il se manifeste dans toutes les formes, en chacun. Et chacun, éventuellement, si ce n'est pas durant sa vie, c'est à la fin de sa vie, s'ouvre à ce qu'il est. La forme, l'identification à la forme ne continue pas. L'esprit, une fois qu'il réalise ce qu'il est, l'esprit ne voit plus que lui-même. Tout devient le même soi. Tout devient comme irréel parce qu'il y a seulement le soi qui est vraiment réel. Tout cela, c'est comme un rêve, là, mais c'est pas un rêve, mais c'est le rêve de l'esprit qui veut se raconter une histoire pour se découvrir comme il est, de Dieu qui crée le monde pour vivre à travers sa propre création, parce que c'est beau le vide, l'infiniment vide et plénitude, mais c'est beau aussi la couleur, la danse, le mouvement, exprimer le soi. C'est pas faux, c'est faux. Réaliser qu'on n'est pas juste un moi. Le moi est là, il est là, mais je ne suis pas le moi. Le moi est dans la conscience que je suis. Le monde est dans la conscience que je suis. Je ne suis pas le monde est en moi. Je suis libre, je peux faire ce que je veux, parce que je suis rien, je peux faire tout. Alors, pour que ça soit simple pour les personnes qui nous regardent, ça veut dire qu'il n'y a pas de monde externe. Le monde externe est en soi, c'est la création de l'esprit dans le soi et silence. Si on va dans le silence, on va entendre une fréquence. Cette fréquence-là, on appelle le Om. Ce Om-là se divise en plusieurs harmoniques qui correspondent à différents plans de conscience. C'était quoi ta question?
Oui, là, c'est bien ce que tu dis sur le home. En fait, les différents plans de conscience, est-ce que tu peux les décrire? Il y a le corps physique. Il y a le physique, émotionnel, mental. Après ça, il y a le transpersonnel. Puis il y a d'autres niveaux qu'on n'est pas encore conscient. L'humanité, le mental, c'est pas la finalité de l'évolution. L'homme, il continue d'étendre la conscience. L'esprit continue de s'étendre à travers lui. Parce que ce qu'on est finalement, c'est quand l'esprit est devenu la forme, quand la lumière s'est refroidie pour former les étoiles, la matière, le germe de l'esprit était contenu dans la matière elle-même. Puis la matière, elle a l'esprit immanent qui monte vers le transcendant, qui est le soi éternel, immuable. Est-ce que pour nous aider, tu pourrais donner ta définition du mental? Le mental, c'est. Qu'est-ce que c'est le mental finalement? C'est un moulin qui moue, qui a toujours besoin d'avoir de la farine à moudre. Parce que c'est sa fonction de moudre. C'est un moulin, le mental. Un moulin, c'est comme une mécanique qui reproduit les mêmes mécanismes intérieurs de croyance, d'identification, pour maintenir la structure du moi. Parce que le moi, sans le mental, n'existe pas, il n'y a que le soi. Dès qu'on arrête de penser, dès qu'on est présent à notre réalité, ici, maintenant, à ce que nous sommes dans le soi, tout est le soi, il n'y a rien d'autre que le soi. Le reste, c'est une illusion du soi. Nous ne sommes pas le moi. Le moi, c'est une pensée. Le soi est ce qui est. Le moulin qui moue, il moue des pensées. Alors, Oui, il moue des pensées, le... des concepts, il moue des images, des sons, Et comment des sortir alors? perceptions. Comment aller au-delà du mental? Et comment éteindre Le l'ordinateur? soir, c'est réaliser le silence. Je vous ai amené, c'est d'aller dans le silence, et dans ce silence-là, qui est l'esprit, tout se bouge, tout bouge. Donc, si le mental, la pensée bouge à travers moi, c'est que je suis ce qui est silencieux et immobile, qui peut l'observer. Seul ce qui est immobile et immuable peut observer ce qui est en mouvement tout le temps. Les sensations, les pensées, tout ça, même le moi, c'est dans la conscience impersonnelle du silence qui est l'esprit, qui observe et qui crée tout. Est-ce qu'on peut faire un test tous ensemble là et aller justement dans le silence ensemble pendant quelques minutes de façon à expérimenter en fait? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense à rien. Tout se fait de lui-même. Parce qu'en fait, avec les nouvelles recherches en neurosciences et avec les neurones miroirs, il est possible, lorsque plusieurs d'entre nous vont justement dans cet état modifié de conscience, il est possible que tout le monde y aille ensemble. Donc, je Oui. propose ça pendant quelques minutes, pendant 2 minutes, et puisque nous sommes ensemble dans cette présence. Voilà, si chacun peut fermer les yeux, nous allons partir avec nous. Il n'y a qu'un seul esprit. Nous le partageons tous. C'est pour ça que je dis, nous allons partir avec nous. C'est Et pour non ça pas que avec je toi. reste. C'est exactement pour complémenter ce que tu as dit. Il y a juste à fermer les yeux et rester immobile. Les yeux sont bien ouverts, même s'ils sont fermés.
Merci, merci cette belle méditation en dehors du temps. Merci beaucoup. Peut-être que nous pourrions faire des méditations comme cela de temps en temps. Alors on va poursuivre l'interview. C'est vrai que moi, quand je ferme les yeux, je disparais. J'imagine que c'est un peu pareil pour toi. Alors, mais si on disparaît, qui va faire l'interview? Allô? Ah oui, le chat. Qui est flou. Je sais pas si le chat t'a Je vais ouvert faire une les yeux. interview avec le chat. Tu veux pas voir la montre? Alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui ont envie justement de se désidentifier et de ne plus être embarqués, emprisonnés par les pensées et le personnage? Quelle est la clé ou les clés? Qu'est-ce que tu proposes? Allô? Pierre? Ouh. Allô, allô, allô? Alors, je crois que nous avons un problème technique avec Pierre qui est parti méditation. Allô, allô? Sébastien, est-ce que tu es là? Oui, là maintenant je suis là. J'avais posé une question. En fait, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui Il ont envie manquait moi. de... Je sais qu'il n'y a que toi. Je n'existe pas. Là, on te reçoit bien. Allô, il y a quelqu'un? Va fermer s'il n'y a personne là. Allô, allô? Nous, on te voit très bien. Allô, allô, allô? En direct de la planète Terre, nous essayons d'entrer en contact avec Pierre, qui est évidemment un être multidimensionnel, mais qui est momentanément dans une autre dimension. Allô? Allô, allô, allô. Alors, c'est vrai qu'il est au Canada, au Québec, et qu'il passe beaucoup de temps à méditer, en fait, hein. C'est une grande partie maintenant de son activité. Allô, allô? Et donc, j'ai trouvé intéressant de l'interviewer, justement pour qu'il nous explique un petit peu ses réalisations. Il m'a expliqué hier, alors en attendant qu'il revienne, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit hier en interview préparatoire, en fait, que il y avait différents concepts à comprendre, notamment la différence entre la conscience, l'esprit, le mental. Donc, si j'ai bien compris ce qu'il m'a expliqué hier, donc alors ce sont que des cartographies, des concepts, hein, chacun peut avoir les siens. Il y a le soi qui est en fait la présence, qui est l'esprit.
Et il y a la conscience qui est l'esprit individuel, en fait. Et dans cette conscience, il y a le mental qui est un outil de modélisation de la réalité. Voilà, dans ce mental se crée l'ego, la personne. C'est pour ça que plus vous allez pouvoir méditer, entrer dans la présence comme on a fait en méditant, et plus vous allez pouvoir créer de l'espace entre vous et les pensées, vous et l'ego, vous et le mental, car vous n'êtes pas le mental. Le mental est juste un outil. Alors, j'espère qu'on va de nouveau avoir Pierre, alors attendez, qui est certainement parti quelque part dans l'hyperespace. C'est ce qui arrive lorsqu'on médite beaucoup. Alors, je vais essayer de vous le trouver. Je vais demander de revenir. Alors, c'est uniquement un petit problème d'Internet. Voilà. Alors, ce qui est bien, pendant que je suis avec vous, vous savez que dimanche, nous avons notre méditation, hein, et dimanche, c'est bientôt. Et ce que nous allons faire eh bien, demain, c'est après notre méditation habituelle, eh bien, nous allons faire les questions-réponses « Pourquoi je ?» comme d'habitude. Sauf qu'avec ce nouvel outil, eh bien, vous allez pouvoir passer à l'antenne. Alors, ceux qui sont sur leur smartphone, qui ont un iPhone, un smartphone, eh bien, vous allez pouvoir télécharger une application qui s'appelle BeLive, BeLive.tv, voilà, à mettre dans votre téléphone. Comme ça, vous pourrez passer demain. Voilà, je vais vous le mettre tout de suite à l'écran. Alors, attendez, hop, montrer. Voilà, BeLive.tv, voilà. C'est quand même un outil formidable. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger l'application sur BeLive.tv et comme ça, vous serez prêt car demain, eh bien, vous pourrez poser vos questions en direct. Donc, vous passerez à l'écran. Donc, ça sera le moment de vous coiffer, de vous préparer, de préparer votre caméra, de l'Internet rapide et vous pourrez voilà, passer après la méditation. Donc, on fera comme d'habitude nos méditations et ensuite, vous pourrez préparer votre question « Pourquoi je ?» et vous pourrez passer à l'antenne. Je vous donnerai un lien voilà, qui sera publié sur mon Facebook et chacun son tour, voilà, vous passerez. Donc, si vous avez de l'Internet rapide, ça se passera très, très bien. Il n'y aura strictement aucun problème. Donc là, il y a Pierre qui revient quelques instants. Voilà, donc ceux qui ont Internet sur ordinateur, eh bien, vous n'aurez pas besoin de télécharger l'application. L'application, ça va être uniquement pour que... Voilà, Pierre, bonjour. Oui. Non, voilà, il y a une petite coupure Internet, mais ce n'est pas grave, ça m'a permis de parler de notre méditation de demain. Alors, on va continuer. C'était nos ondes qui étaient trop fortes. Oui, alors, donc c'était intéressant ce que tu disais. Est-ce que pour nous éclairer, est-ce que Un instant. Il y a les jeux du direct. Alors évidemment, on coupera hein, lorsqu'on on le mettra en non direct. Oui. J'aime bien le bleu, en fait. C'est très assorti avec tout l'univers de l'émission. Ouais. Gratitude d'avoir choisi du bleu partout. J'ai rien choisi, c'est l'esprit qui fait tout. Tout se fait de lui-même. Dans ce que tu me disais hier, c'était tes dernières expériences, en fait. Où est-ce que tu en es sur ton chemin ? Parce que tu médites beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, dans ton corps Parce que beaucoup de personnes ont des choses similaires. C'est très intéressant de partager là-dessus. C'est que depuis, ben justement, j'en étais là tantôt quand je pratiquais Vipassana en 2015. J'ai eu cette expérience d'éveil de Kundalini en 1998 la première fois. Puis ça, ça m'a amené à faire une EMI. J'ai comme fait une Kundalini. C'est quoi EMI?
expérience de mort imminente, mais non, c'est comme été une expérience de comme j'ai vécu sorti de mon corps, de mon moi là. J'ai été dans l'esprit, j'ai vu la réalité du soi. C'est ça qui m'a fait éveiller, c'est ça qui a tout changé ma vie. Puis cette rencontre-là m'a fait amener à vouloir la rencontrer puis la revivre d'une façon plus permanente. Donc, ça m'a amené sur un chemin spirituel, à pratiquer la méditation, notamment Vipassana, qui est la méthode que Bouddha enseignait lui-même et pratiquait. C'est ce qui l'a amené à connaître l'éveil. Puis ça, en 2015, alors que je pratiquais Vipassana depuis plusieurs mois, il m'est comme arrivé quatre décharges de lumière, coup sur coup. Et depuis ce jour-là, c'était le mois de mars 2015, le jour de l'équinoxe qui était en même temps une éclipse. Tout a commencé par recommencer, mais constant à partir de ce moment-là, dès que je méditais, je m'effaçais et la lumière commençait peu à peu. Au début, c'était des décharges qui ouvraient le canal, qui débloquaient le passage. À partir d'un certain point, quand le passage, la colonne et tout le canal étaient ouverts, tout s'est mis à vibrer. C'était plus des éclairs, c'était plus comme une vibration que le haut et le bas de la colonne se relient ensemble et tout le reste s'est mis à vibrer. Puis ça, mon processus, c'est simple, c'est de m'abandonner à ça. C'est de m'effacer, puis de laisser tout se faire de lui-même, d'aller dans le silence et de laisser la conscience, de laisser l'esprit de lui-même dans l'harmonisation, dans le silence, dans l'harmonisation par le son, par la fréquence, par la conscience. Tout se fait de lui-même. Je n'ai qu'à m'abandonner à Dieu, qui est le soi, qui est au-delà de mon individualité, au-delà de mon moi, mais dont je suis l'expression à travers l'ensemble dans le manifesté. Pourquoi Donc, c'est c'est m'abandonner à ça. Et cela amène une conscience transpersonnelle. J'en ai eu quelques. C'est ce qui vient pour tout le monde. On ne l'a pas encore. Quand on va l'avoir tout le monde ensemble. On va être un, nous, dans chacun. C'est en train de percer. J'en ai eu des bribes. C'est des expériences où, par exemple, je joue un duo de guitare classique avec un autre guitariste et ça fait des mois qu'on pratique le même morceau. Tout d'un coup, on se trompe à la même place, au même moment, on retombe plus loin sur la partition, au même moment, on se regarde. Et là, on sent qu'il y a un nous qui vit à travers nos deux entités et on se met à jouer, puis c'était ce nous-là qui jouait à travers nos deux. On se regardait, on en avait des frissons, c'était plus nous qui jouait, c'était le nous, nos deux personnes étaient devenues un nous, ce nous était devenu l'entité qui se manifestait en chacun de nous qui jouait notre partie de musique. C'est comme les oiseaux qui volent tous synchronisés, comme un seul être. C'est ce qui s'en vient pour l'humanité. On est encore fragmenté parce qu'on est au niveau du mental, au niveau de l'identification au moi. Mais quand on va transcender le moi, on va tomber dans une conscience élargie où c'est l'ensemble qui va se vivre en chacune de ses parties, se voir à travers chacune de ses parties consciemment. Ça veut dire que chacun va vivre à l'intérieur de chacun parce qu'il va avoir qu'un seul être, qui va être conscient de lui-même dans le multiple. C'est ma vision, c'est ce qui est en train de se manifester en moi parce que cette lumière a dissous mon nez. Ça, cette lumière-là, si vous vivez des difficultés, remerciez, parce que c'est ça qui amène à briser le moi, à s'abandonner, à capituler, à tomber à genoux pour s'abandonner au vrai soi qui est Dieu, qui est le tout. Faut lâcher prise complètement sur l'illusion de contrôler quoi que ce soit. Faut devenir partie du flux, de l'impermanent. Faut accepter de devenir fluide et de laisser cet esprit qui est le silence se manifester en toute forme, variation dans l'unité. Pourquoi c'est si important de s'abandonner, de capituler? Parce que c'est la vie.
C'est la vie est un mouvement, la vie est un changement. La vie, c'est mourir et renaître, c'est mourir et renaître. Si l'esprit est sans forme, l'esprit est immuable, sans nom, il ne peut rester figé dans un concept, il ne peut rester figé dans une forme. Aucune forme ne peut représenter l'esprit, donc la forme est toujours en mouvement. Parce que c'est pas réel. Ce qui est réel, c'est ce qui perçoit le monde. C'est l'esprit lui-même. C'est la seule chose réelle. En fait, c'est l'identification à l'ego qui freine le processus, si je comprends bien. Ben le moi, c'est la résistance au soi. Mais plus le moi est purifié par le soi, et le moi devient pour que ça soit clair pour tout le monde, est-ce que tu peux donner une définition du soi et du moi? On va lancer les définitions, ce n'est pas important. Un Pour petit peu. regarder ce que c'est en nous-mêmes, là, pas. C'est que l'ego, c'est ce qu'on croit être. C'est une conception. C'est une conception. C'est le moi, là. C'est moi qui parle. Je vais ouvrir une parenthèse, OK? Le but, là, c'est pas. Tuer personne, là, c'est de réaliser qu'on n'est pas l'ego. L'ego, il est là de lui-même. Je sais que je ne suis pas mon corps. Mon corps ne disparaît pas pour autant. Là. Le corps est là. Le corps a sa propre vie. L'émotion a sa propre vie. Elle a le droit d'être là. Le mental a le droit d'être là. Le moi a le droit d'être là. Tout ce qu'il faut, c'est réaliser que tout cela, la conscience est au-delà de tout ça. Je ne suis rien de tout ça. Tout ça se fait de lui-même à travers la conscience que qui est. Parce que cela est de lui-même, je suis. Et nous sommes un. Si j'ai bien compris, le soi, c'est la plus haute partie de soi, et le moi, c'est l'ego, hein, dans ton vocabulaire. Mais il n'y a que le soi. L'ego, c'est une illusion. Ce qui est irréel n'a aucune. Aucune substance, il ne peut exister dans lui-même. Il n'y a que le soi. Et l'illusion de soi, de se croire être quelque chose, être le vide qui se croit être la forme qu'il exprime. La conscience s'identifie. L'esprit est impersonnel, mais la conscience, elle, s'identifie. Puis quand il y a le mental qui s'identifie à une histoire, ben, elle se crée un monde autour d'elle, une histoire qui fait donner un semblant de cohésion dans quelque chose qui n'a pas de sens, en fait. Parce que la seule réalité, c'est le soi, c'est le silence, c'est l'univers. Tout cela, c'est le jeu de l'esprit en lui-même. C'est pas, tout ça, c'est un, comme un, moi, je compare ça à un film qui est dans un écran. Mais le réel, c'est l'écran. Peu importe ce qui se passe dans le film, les personnages, tout ça, c'est l'écran. Le personnage, en fait, c'est l'écran qui se croit un personnage. Mais une fois que l'écran réalise qu'il n'est pas le personnage, ben, le film il continue, puis l'écran apprécie le jeu à travers lui. Il n'est pas pogné dans une illusion d'être densifié dans quelque chose qui n'est pas lui-même, puis perdu dans un monde extérieur. C'est fou, là, ce qu'on vit, là. C'est une illusion collective de se croire ailleurs, puis de se croire autre chose que ce qui est. Oui. Une grande illusion collective. On ne voit pas le réel comme il est. On le voit à travers nos cinq sens, puis nos cinq sens, ils sont fragmentés. Mais l'esprit, lui, il voit la réalité comme un seul sens. Tous les sens sont un, puis même il y en a des millions, des absolus de sens, parce que l'esprit est absolu. Il se voit de toutes les perspectives, en toute forme, en toute densité, en toute vibration, en toute résonance, tout est interrelié. Alors, quelles sont les pratiques ou les activités que tu fais pour justement aller plus vers le toi et non pas vers le moi? Ce qui arrive, c'est quand tu réalises que il n'y a que le soi, tout devient l'expression du soi, il n'y a plus rien d'extérieur à toi-même. Donc, chaque moment devient l'observation de soi. Donc, c'est une méditation constante. Et que tu dormes, que tu marches, que tu manges, que tu es assis, que tu parles, que tu exprimes ce que tu es, tout est
se fait de lui-même. C'est la conscience qui s'observe, c'est l'esprit qui se réalise, qui se voit lui-même. Cela dépasse. Cela me dépasse. Cela se fait à travers moi, mais je ne suis pas conscient de toutes les forces en présence qui font la manifestation. Je suis l'expression de ce flux qui est de l'esprit. Oui, Pierre, je te demandais, est-ce qu'il y a des pratiques qui permettent justement d'aller vers le soi? Non, le soi, il est déjà là. Justement, c'est l'illusion de penser qu'on a quelque chose à atteindre. C'est en abandonnant toute quête que tu vas t'abandonner à ce qui est là, ici, présentement, et vibrer le soi. C'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est quelque chose qui est là, qu'on s'abandonne. C'est l'illusion de ce qu'on croit être qui s'abandonne, qui se dissout dans le réel de l'esprit que nous sommes. Mais est-ce que c'est utile de méditer alors? Oui, ben, tant que tu n'as pas réalisé que tout ça était en soi, c'est essentiel. Tant que tu n'as pas réalisé que ton corps est esprit, moi-même, de le sentir au niveau moléculaire, atomique, ben, tu es encore dans l'illusion de toi-même. Faut aller. La méditation, elle ne peut. Elle doit être constante. En fin de compte, méditation, c'est un mot. Mais pour moi, c'est pas une technique, c'est un état d'esprit, c'est être présent, c'est d'être le silence dans lequel le monde s'exprime, dans lequel le monde bouge, mais être établi dans ce silence intérieur-là, que même si là je parle en ce moment, c'est le silence, c'est la conscience qui s'exprime, c'est pas moi. Moi, je sais pas ce que je dis là, ça passe tout seul, je suis un canard. Ça sort, moi je laisse. J'ai tout ce que j'ai à faire, c'est de m'enlever, m'effacer pour que ça passe. Gratitude. Gratitude pour ce qui passe maintenant. Ne rien à chercher, tout est là. Justement, il faut abandonner toute croyance, toute identification à quoi que ce soit. Il faut arrêter de nommer les choses et arrêter d'essayer de trouver qui fait quoi. Tout se fait de lui-même, par cela qui est, et tout procède de cela qui est, sans forme, immuable. On est l'expression de cela qui se fait de lui-même. On a juste à se laisser porter par la rivière, puis être le mouvement de la rivière. Chacun, on est le mouvement de cette rivière qui l'exprime d'une façon unique, dans sa propre couleur. Il faut être soi-même, puis en étant soi-même, en enlevant l'interface entre soi-même et la vie, on devient l'expression de la vie elle-même. C'est ça. Gratitude d'être la vie. Et comment, Pierre, alors comment vivre une vie d'humain? C'est quoi vivre une vie d'humain pour toi? Pour Avec moi, vos modes. C'est premièrement de se connaître, savoir ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, de trouver ce qui est en soi, ce qui est le réel et l'irréel. Et se donner, s'abandonner, se laisser dévorer par les étoiles et devenir un avec le tout, sans séparation. Il n'y a pas de moi séparé. Tout est le même soi. C'est de réaliser cela en s'abandonnant, en devenant ce mouvement-là. La vie, c'est l'expression, la vie est son propre but. Et le but de la vie est la vie elle-même, de se manifester, de se vivre, de s'expérimenter. Et ça, on le vit chacun individuellement, selon notre état de conscience. Tout ce qu'on vit nous arrive en fonction de ce qu'on a besoin de vivre. Le monde extérieur, il n'y a aucun hasard. C'est notre propre esprit plus grand qui le manifeste pour nous aider à s'éveiller. Alors, si je comprends bien, pour réaliser le silence en soi,
Il y a juste... nous sommes le silence. C'est la, oui. L'être lui-même est silence. Oui, nous sommes déjà le silence. Mais pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore réalisé le silence en eux, ce que tu proposes, c'est l'abandon et la capitulation, la méditation. C'est d'aller, de tourner le miroir à 180 degrés vers l'intérieur et d'arrêter d'observer ce qui est perçu, mais de tourner la lumière vers ce qui perçoit. C'est tout ce qu'il y a à faire, toutes les techniques, toutes les religions, toutes les spiritualités, tous les livres que vous allez lire, c'est ça. C'est tourner vers l'intérieur puis réaliser c'est quoi l'être. C'est juste ça, puis il n'y a pas besoin d'aucun livre, aucune technique, tu as juste besoin de t'asseoir et de regarder ce que tu es. C'est d'avoir la curiosité, de savoir que Masfec, je suis là, Masfec, c'est pas le vide, c'est pas le Masfec, tout existe. Moi, je regardais les étoiles quand j'avais 8 ans, je regardais le ciel, puis je me posais ces questions-là. Pourquoi je suis là? Pourquoi l'univers? C'est quoi l'infini? C'est quoi la vie? Pourquoi je souffre? C'est des questions, ça, qu'on doit résoudre en soi-même. Et comment, Pierre, on fait pour regarder à l'intérieur de soi, concrètement? Il n'y a rien d'autre. Pour ceux qui nous regardent. Tu es cela. Alors, tu vois, quand tu dors la nuit, tu es en cela. C'est le non-manifesté. Quand tu te réveilles le matin, oups, il y a une petite période où tu es plus ou moins conscient, mais tu es encore à moitié là et à moitié pas là. Mais tu es dans le vrai. Tu passes de non-manifesté, puis tu viens jusqu'à là, tu réalises, oups, j'ai mes pensées, ah, je me réveille, je suis là, la sensation où je suis. Ensuite, je réalise, j'ai un corps, oups, je réalise, il y a le monde autour de moi. C'est le même principe, en fait. C'est de retourner vers cet état de s'abandonner à ce qui est de lui-même. C'est le silence, c'est l'être. C'est comme moi, j'appelle ça comme un gros coussin quand tu sautes dedans, quand tu es fatigué, tu soupires, tu t'abandonnes. Là. Pour moi, c'est ça. C'est le silence, c'est un gros coussin. Un gros coussin dans lequel je m'abandonne. Puis je lâche plus. Merci beaucoup, Pierre. Gratitude pour cette énergie et cette belle présence. Rendons grâce à l'unique. Il n'y a qu'un, tout est en lui, par lui. Nous sommes son expression. À ce nous qui est un, qui s'éveille en chacun, puissions-nous réaliser la nature de ce que nous sommes. Et donc, j'ai vu que tu mettais... L'amour. Mon frère, on n'a pas dit le mot. Un mot, oui. Je pense que s'il y a un seul mot que je voudrais finir, c'est ça. C'est parce que dans l'amour, l'amour est l'unité de l'être dans le multiple. C'est l'amour qui nous unit. L'amour est l'unité de l'être dans le multiple. Est-ce que c'est ta définition de l'amour? Oui, c'est le un qui se vit dans le multiple. C'est le un qui se reconnaît en chaque partie. C'est l'unité, la cohésion qui fait que chaque partie du tout fait partie du tout, et que c'est le tout qui vit en chacune de ses parties. Oui, moi, ma définition, c'est l'amour, c'est la reconnaissance que l'autre est soi. Donc, c'est assez proche. C'est pas mal proche de ce que je viens de dire. Oui, c'est cette réalisation que tout est soi. Ça s'appelle... Et que ce soi est au-delà de ce moi. Parce que si tu identifies le soi à ton moi, ben là, tu tombes dans l'ego spirituel. Puis là, tu te coupes du monde et tu vois, je te promets une grosse débarque. Fait que je vais te souhaiter une belle journée, mon ami Sébastien. Oui. Ça fait un plaisir de se passer ce moment dans ce nous qui est un, puis de laisser passer ce qui passe. Gratitude pour le nous. Gratitude pour le nous. Gratitude pour le 1. Merci pour ta belle vibration. Merci pour ce partage.
Namasté. Je veux dire aussi que le soi, la lumière, la Kundalini, c'est aussi le Saint-Esprit. Pour ceux-là qui croient en Dieu et qui sont chrétiens, le soi est le Christ et la lumière est l'Esprit Saint. C'est la même chose. Le frisson du Bouddha pour les bouddhistes, c'est la même chose. La Kundalini, la Shakti, la Shiva, c'est toutes la même chose. Faut pas aller dans les concepts pour regarder le réel de ce qu'il y a en soi. Il faut oublier tous les concepts, toutes les religions, tous les enseignements. Si on ne voit pas entre les lignes, ils nous amènent en dehors de la vérité. Il faut aller voir la vérité en dedans de soi-même. Puis il ne faut pas prendre rien de ce que les autres disent. Pour vrai, il faut aller le voir en dedans de soi-même. Il n'y a rien. Oubliez tout ce que j'ai dit, là. Oubliez tout ce que j'ai dit. Ce qui est important, c'est ce qui reste après avoir parlé. Oui, au-delà du concept, au-delà du mental. C'est pour ça que tu dis ça, hein. C'est l'être, c'est l'aide à lui-même. On n'a pas rien à chercher. C'est en arrêtant de chercher que cela se révèle. Ce qui reste, c'est de l'amour, de la joie, du bonheur, en fait. C'est la liberté. Quand tu réalises que tout se fait de lui-même, que tu n'es rien, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a plus rien qui peut t'affecter, le cauchemar devient un rêve parce que tu n'es plus lié au rêve en tant que tel. Le rêve est en toi, mais tu n'es pas le rêve. Tu es ce qui perçoit le rêve. Il n'y a aucune sensation, perception, pensée qui est vraie. Là. Tout ça, c'est des perceptions, mais ce qui est réel, c'est ce qui le perçoit. Oui, tu disais la Kundalini, c'est un concept et les synonymes dans différents. C'est parce que l'expérience spirituelle est la même pour tout être. Tout moi qui s'abandonne au soi vit la même expérience d'abandon, mais chacun l'exprime dans son vibration, sa couleur unique. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'exprime. Mais toi, c'est d'une autre façon, Brahmadev. Toi, tu l'exprimes à ta manière. Tu le vis à ta manière. Il n'y a personne qui est plus ou moins éveillé, là. Il n'y a personne qui s'éveille. C'est la conscience qui s'éveille elle-même. Les personnes, eux autres, ils se dissolvent, là. Il n'y en a plus de personnes. La personne est là, mais elle sait qu'elle n'existe pas d'elle-même, là. C'est plus grand qui l'exprime. Oui. Il n'y a plus personne pour dire ça, tout à fait. Et tout se fait de lui-même. Il n'y a plus personne pour penser que c'est lui qui le fait. Bien sûr. Il n'y a plus que être. Le mouvement de la vie une, en synchronicité, en résonance, en toute forme. Alors peut-être on va prendre un petit peu des questions du public, hein, si tu es d'accord, Pierre. Comme il y a beaucoup de. Oui, ok. Est-ce que, comme vous êtes là avec nous, et votre question va passer à l'antenne, est-ce que vous avez une question pour Pierre, comme nous avons la chance de pouvoir être avec lui? Voilà, n'hésitez pas maintenant en commentaire, voilà, tapez, prenez le temps, et si vous avez une question pour Pierre, une question sur la conscience, l'éveil, la réalisation du soi, sur ce que vous voulez. Voilà, comme je sais que vous êtes restés nombreux depuis le début de cette émission, on attend vos questions et vos réponses. Enfin, les réponses, c'est Pierre qui va les donner. Hein. En tout cas, j'étais très content de cette méditation, Pierre. C'est super. Voilà. Alors, allez-y, mettez vos questions dans le commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour augmenter la vibration. Comme ça, nous allons être nombreux et nombreuses. Alors, en attendant que les questions arrivent, moi, j'ai une question de Sandra Marie Mimi. Elle pose la question, les traitements médicaux empêchent-ils de s'éveiller? La maladie, c'est une illusion parce que ce qui est réel, c'est la santé, là, la perfection. Là. Donc, les médicaments s'y empêchent. C'est des croyances. C'est des gros placebos.
C'est l'esprit qui guérit. C'est l'esprit qui se guérit, puis le corps se guérit quand l'esprit se guérit. Quand dès que la maladie vient d'une disharmonie, d'une illusion, d'une fausse croyance, puis quand la fausse croyance est dissoute, la santé se rétablit dans le corps. Parce que, c'est des cadeaux, hein. Les maladies, c'est pas nécessairement négatif, là. C'est là pour nous enseigner ce qu'on a besoin, puis pour purifier certaines choses en soi-même, pour se libérer. C'est des cadeaux. Des fois, il y a des cadeaux qui sont très mal enveloppés, puis que sur le coup, on n'apprécie pas, mais qu'on voit que plus à long terme, on avait besoin de passer par là. Alors, comment, Pierre, pouvons-nous modifier nos croyances justement pour se guérir des maladies? Les croyances. C'est d'aller en contact avec le silence et le réel. D'aller toucher ce qui est vrai. Devant ce qui est vrai, une illusion ne peut pas tenir. Une croyance ne peut pas tenir devant l'expérience de la vérité en soi. Il n'y a plus rien. Tout tombe. Les croyances sont là en attendant qu'on réalise ce qui est là. Puis, mais ils sont supposés. Une vraie spiritualité, une vraie religion, un vrai enseignant est supposé t'amener à aller en toi-même, aller toucher cette vérité-là. Si tu t'éloignes de ça, ben, pars en courant. Ok, merci Pierre. Alors, j'ai une deuxième question de Rosie Desclos. C'est quoi exactement la Kundalini? C'est le pont entre l'esprit et la matière, ou le corps, ou l'humain en soi, le ciel et la terre se relient pour ne faire qu'un. C'est l'énergie du ciel qui descend dans la terre, et c'est l'énergie de la terre qui monte dans le ciel, et les deux fusionnent dans le cœur, dans l'amour. C'est l'unité du silence et du tout, de l'un et de. Dans le monde. Et pourquoi la Kundalini s'éveille alors chez certains et pas chez d'autres? Et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Au début, c'est un phénomène très rare. C'est comme des étincelles qui allument tout le reste. Puis plus on va être, qui vont ancrer, venir cette fréquence-là, ben on est tous interreliés dans cette même lumière-là. Puis on fait un réseau de catalyseurs et d'amplificateurs qui fait que ça fait boule de neige, puis que ça se répand. Au point de vue de l'histoire de l'humanité puis de la Terre, ce qui se passe, c'est comme un seau de pétrole qui est en train de. Ça se passe très vite, ce qui se passe en ce moment, là. Moi, j'ai beaucoup de joie pour voir ce qui se passe en dedans de moi, mais faut pas. Oui, le monde est en train de s'écrouler, mais c'est parce que c'est le rêve qui devient un cauchemar pour nous réveiller, parce que c'est pas le réel, c'est pas ce qu'on croit. En fait, j'ai remarqué que les personnes qui avaient éveillé leur Kundalini éveillaient la Kundalini des autres personnes autour. Est-ce que tu as remarqué ça aussi? Oui, c'est des résonances. Je fais juste parler à du monde sur Messenger, sur Facebook, puis ils le ressentent à distance, même s'ils sont à l'autre côté de la Terre, ou juste en pensant à moi, parce que je le canalise. Moi, je suis une antenne, fait que je m'abandonne à ce pont-là, puis je deviens avec tout ça. Puis je le fais pas tout seul, là, on est tous un, là. On est nous qui travaillons ensemble. Là, on sait tous. Ceux qui s'éveillent en ce moment, ils savaient depuis toujours, éternellement, qu'elle allait se réveiller à ce moment-là. Et pour aider les autres, le collectif, à s'éveiller aussi à ce qu'il y a. Merci beaucoup. Alors, question de Vincent. Pourquoi j'ai créé cette illusion? Il n'y a rien d'autre que l'esprit. Il n'y a rien d'extérieur. Il n'y a pas de temps, d'espace, il n'y a pas d'univers. Comment que l'esprit qui est le vide veut, le non manifesté, peut se connaître lui-même s'il n'y a rien d'extérieur à lui-même? N'ayant rien d'extérieur à lui-même, il doit créer une illusion de lui-même. Donc, il se crée la forme et il s'identifie à la forme, se cache dans la forme et se perd dans la forme pour se redécouvrir en tant qu'esprit. Donc c'est pour se connaître en fait, hein, la réponse. Pour se redécouvrir, le soi est en rien, peut se découvrir à travers tout, parce qu'il contient tout en lui-même. Alors, autre question de Lune. Bonjour, comment se définir dans ses limites, d'humain? C'est tes croyances. C'est tes croyances qui vont définir tes limites. Oui, tout à fait.
Alors, du coup, moi, j'ai une autre question. Si on a la croyance qu'on n'a pas de limite, est-ce qu'on n'a pas de limite? Ben, tu as encore la croyance qu'il y a quelqu'un qui a ou non des limites. Effectivement. Ok. Oui, donc c'est la fin de toutes les croyances, en fait, finalement, Le moi, de l'impersonnel, le je suis cela, mais c'est une illusion. C'est la première illusion, c'est le je. Dans Oui, c'est l'impersonnel, la conscience est impersonnelle, et dans l'impersonnel, il se retrouve le je, le tu, le il, le nous, le vous, le il, tout est un. Tout est cela dans l'impersonnel. Je peux te voir tu en tant que cela. Je peux me voir je en tant que cela. Je peux voir il en tant que cela. Je peux voir nous en tant que cela. Je peux vous voir vous en tant que l'expression de cela. Et je peux voir il et nous comme un dans cela qui est au-delà de tout. Alors justement, j'ai une autre question du coup que de Sébastien. Faut-il enlever le je de la langue française? Non, il ne faut rien rejeter. Tout est là, tout est l'expression de cela. Il faut juste réaliser le réel, que le réel est au-delà de tout ça. Mais le je est là. Et on est tous des je, on est tous des nous, on est tous des tu pour quelqu'un. On est tous un il, on est tout ça. L'absolu aime se manifester absolument, dans tous les, même dans le paradoxe. Alors, question de Valérie Rayonne. Comment entendre le tout? Comment communiquer avec l'absolu, en fait, avec le soi? Pour moi, le silence, l'être est une porte qui ouvre et relie toutes les autres portes, de toutes les dimensions, à chaque point de l'univers, à chaque personne. Dans le silence de l'être, tout est là déjà. Il n'y a rien d'extérieur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas rien d'extérieur, il n'y a pas d'espace, c'est pas, c'est une, ça, c'est créé par l'esprit. Ce qui est réel, c'est là. La conscience qui s'aperçoit. Qu'est-ce que tu proposes à Valérie pour qu'elle entende justement son Dieu Ben, intérieur et son soi, qui est le aussi le nôtre? silence, d'aller dans le silence, dans le silence naît la fréquence, et dans la fréquence naît le monde. Donc aller dans le silence, en fait, c'est faire du vipassana, en fait, un peu. Ben, vipassana, c'est d'observer tout ce qui n'est pas silence pour réaliser que c'est ce qui est silence qui observe ce qui n'est pas silence. C'est d'observer tous les mouvements. Aller au plus subtil des mouvements dans le corps, dans l'esprit, dans l'émotion, dans le mental, pour voir que tout, d'où tout jaillit du silence. Le silence manifeste tout. Merci beaucoup. Alors, question de Jocelyne. Être vulnérable, est-ce cela le lâcher prise? Oui, faut que tu te laisses dévorer par les. Faut que tu n'aies plus de résistance, faut que tu. L'amour, c'est un don total de soi à ce qui est. C'est un don total de ce qui est à soi. Oui. C'est tout le temps l'ego. C'est le moi qui s'est menacé. Dans l'unité, dans le soi, il n'y a plus rien d'extérieur. Il n'y a plus rien qui peut te menacer parce que tu sais que tout ça, tu es. Il y a ta nature véritable qui est le silence, qui est l'esprit. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Et elle est complète en elle-même. Il n'y a rien qui peut être enlevé, il n'y a rien qui peut être ajouté. Tout est déjà là. Tout ça, les désirs, les aversions, ça, c'est les jeux du mental puis de l'ego. Mais pour le soi, tout est là, il n'y a rien à rejeter. Alors, question de Von Wynne. Le soi a-t-il un désir? Finalement, ça pose la question de... Il vient le passage, le prologue de l'évangile de Saint Jean qui dit au commencement était le Verbe. Le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Qu'est-ce que le Verbe? C'est une impulsion de vie, de manifestation. C'est le silence qui a décidé de se vivre, qui a donné une impulsion. De cette impulsion, il jaillit le manifesté. Qui suis-je pour juger que cette impulsion est irréelle ou est mauvaise ou bonne ou réelle? Je ne sais pas. Mais cela est. Mais en fait, la question derrière, c'est d'où vient le désir? Est-ce que c'est le désir du soi?
ou est-ce que c'est le désir de la conscience C'est individuelle? le désir du soi de se connaître et de se manifester, de s'expérimenter. Donc les désirs viennent du soi. Oui, et tu dois être abandonné au soi. Il faut que réaliser que l'action que l'on fait, on ne le fait pas pour soi-même. Que le résultat de l'action, on ne le fait pas pour soi-même. Tout ça est pour le tout. Et c'est le tout qui lui agit à travers chacun. Que ce que je fais à l'autre, je le fais moi-même, là. Ce que je fais à moi-même, je le fais à l'autre. Il n'y a pas de séparation. Comment on peut faire la distinction entre les désirs de l'ego et le désir du soi? Quand ça vient du mental, c'est de l'ego. Si ça vient du cœur, ça vient du soi. Merci. Merci. Alors, question de Brigitte Claveau. Mais pourquoi Dieu voudrait-il se redécouvrir? Dieu, le peut-être qui est amour, voulait être dans le multiple, voulait pas être tout seul. Peut-être qu'il voulait se voir des perspectives plus petites pour voir la grande. Allô, allô? Allô, Pierre? Allô? Allô, allô, allô? Coucou! Ça a coupé! Du coup, nous sommes dans le silence. Alors, est-ce que ça pourrait revenir? Le silence, c'est bien, mais entendre Pierre, c'est pas mal non plus. Alors, allô, allô? Est-ce que tu nous entends? Allez, momentanément, une coupure son. Ne sais pas pourquoi il y a une coupure son. C'était une très belle réponse. De Pierre. Allô, allô, allô. Pierre, est-ce que tu peux revenir, te déconnecter et revenir? Alors, bougez pas. Avons plein d'autres belles questions. Voilà. Voilà. Alors en attendant, eh bien c'est l'heure de la pause. En attendant que les problèmes techniques soient résolus. Voilà, vous pouvez boire un coup, c'est le moment. Vous pouvez voilà. Allez aux toilettes et en attendant qu'ils reviennent. Il est du Canada, de Québec, donc peut-être que comme c'est un petit peu loin, il y a des petites choses à faire. En attendant, c'est l'interview de Pierre, mais je peux aussi répondre à pas mal de questions car j'ai eu pas mal d'expériences d'éveil et de réalisation du soi. Mais pourquoi Dieu voudrait se redécouvrir? En fait, la question derrière, c'est pourquoi le soi, qui s'appelle aussi le divin, veut vivre? Eh bien, tout simplement parce qu'il est la vie et parce que ce qui est intéressant, c'est la première fois. La première fois où vous allez tomber amoureux, la première fois où vous allez faire une rencontre, la première fois où vous allez manger des spaghettis, voilà, toutes ces premières fois. Voilà, c'est quelque chose de fantastique. La première fois où vous allez donner un massage, recevoir un massage, la première fois où vous allez aller dans tel endroit, la première fois où vous allez aller à la mer, à la montagne, voilà, toutes ces premières fois, c'est tellement magique et magnifique. Et bien que le divin s'incarne dans 7 milliards d'êtres humains pour renaître à chaque fois et vivre. Voilà pourquoi c'est une réalisation que j'avais eue dans une cérémonie chamanique. Alors, je crois que Pierre est revenu. Alors, attendez, Pierre, on va voir si ça refonctionne.
Attention. Allô? Ah, voilà, tu es revenu. Je n'ai jamais quitté. Oui, ça ne C'est impossible. Alors, une autre question de Valérie Rayonne. Alors, en parlant de Dieu qui aime ses créations, les plantes, les animaux, pourquoi est-ce qu'il ne les protège-t-il pas contre notamment l'humain qui détruit la Okay. planète? On va là, tu dis Dieu et il, mais moi je vais te ramener parce que moi je n'existais pas, que mais le souhait existait, que le souhait était Dieu. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur. Je vais te poser la question, mais ce fait que toi tu protèges, lui les protèges. Par ton mode de vie, est-ce que tu encourages ou est-ce que tu montres l'exemple? C'est à sa part de soi, c'est. Le monde est dans un système effroyable en ce moment qui détruit toute la vie, là. Il faut pas se le cacher, là. Mais ça, c'est le reflet dans le multiple et dans le monde de ce qui est quelque chose en soi-même. Ce qui est l'ego, qui est aussi une machine qui nous met en esclavage et qui empêche l'expression de la vie tel que nous sommes. Donc, peut-être que c'est en se libérant de en soi-même, parce que tout est en soi, là. Dieu est en soi, nous sommes l'expression de Dieu. Dieu, il n'y a rien d'extérieur à Dieu. Tout est intérieur en Dieu. Hein? Dieu est le soi. Il n'est pas localisé, il est tout, partout, il est le soi, l'esprit, partout. Donc, oui, il le permet parce que c'est notre croyance en la dualité qui a créé la séparation, puis on se croit séparé du monde, mais si on savait que tous les animaux qui sont maltraités en ce moment, c'est nous-mêmes, on n'agirait pas pareil. Toutes les maladies, la guerre, la pauvreté, toute la souffrance dans le monde, c'est peut-être un petit peu lié à tout ce qu'on fait subir au règne animal en ce moment. On n'a pas idée du bagage de souffrance qu'on est en train de se créer pour nous-mêmes. Puis ça va nous amener, si on continue dans ce sens-là, mais peut-être qu'on a besoin de vivre cette misère-là pour le réaliser. Puis après, on va le savoir. Les animaux, c'est l'Indien qui croit, et je le crois aussi, que tout est conscient et vivant, c'est pas une illusion. La terre est une entité. Chaque animal est un esprit du grand esprit. Tout est sacré et divin. Ce qui se passe en ce moment, ouais. Si je vois dans mon cœur, puis je le ressens, oui, j'ai de la peine. Mais il faut aller au-delà de ça parce qu'on comprend pas tout avec notre perspective limitée, mais il faut réaliser que le monde est en soi, premièrement, et c'est en changeant notre perception du monde qu'on va changer le monde. C'est l'objet de l'interview qu'on fait là, des vidéos, de toutes les méditations du dimanche, c'est d'augmenter la conscience et que chaque partie du nous ait une conscience élevée, le plus élevée possible, pour ne plus justement qu'il y ait des souffrances animales. C'est important. Alors, quelque part, la question derrière, c'est pourquoi il y a des parties de nous qui sont inconscientes, Pierre? Notamment ceux qui détruisent la planète, qui font du mal aux animaux, ceux qui mangent des animaux. Enfin, Moi, j'essaie de comprendre par moi-même. J'ai réalisé une certaine compréhension. Je peux que je ne dis pas que j'ai la vérité, là. Mais pour moi, la lumière, c'est évoluer dans la matière. La matière et de la conscience, l'esprit complètement identifié à la forme, qui est esclave de sa croyance d'être la forme. Et l'esprit est là pour spiritualiser la forme. Ce que le monde vit par la Kundalini, c'est cet esprit qui vient spiritualiser la forme pour remonter à sa nature qui est spirituelle. Ok, merci, merci beaucoup. Alors, question suivante. Alors, de Tamara, pourquoi ai-je de la difficulté à rester dans le calme et la quiétude? Pourquoi ai-je de la difficulté à être dans l'amour inconditionnel? Ben, c'est parce que tu
crois être ce qui est en... Tu crois, tu t'es pas relié. Quand on est dans l'espace de silence, on est comme au cœur de l'ouragan où que tout peut tomber autour de soi. Il n'y a plus rien qui nous affecte. Parce qu'on sait que c'est pas. Quand tout tombe, tout se met en place, là, c'est parce qu'il y a une intelligence supérieure qui nous mène vers quelque chose. Moi, c'est la rivière, elle sait où ce que ça va. Moi, je ne sais pas. Moi, je me laisse porter par la rivière. Mais je sais que la rivière a abouti dans l'océan. Tout ce que j'ai à faire, c'est m'abandonner au flux en confiance. Le monde, il manifeste mes doutes. Le monde, il manifeste mes peurs. Le monde manifeste ma propre violence que j'ai à l'intérieur. Le monde manifeste mes propres espoirs. Le monde, il manifeste le meilleur et le pire. C'est l'ensemble de tout ce que je pourrais être qui est manifesté dans le monde. C'est à moi de choisir ce que je veux être. Je suis rien, mais je peux devenir ce que je veux. Qu'est-ce que je sélectionne dans ma vie pour que je veux créer de beau? Ici, dans mon moi, dans mon environnement, comment je vis, mon attitude envers la vie, même si je suis seul chez moi, comment je dois agir avec la matière? Est-ce que je vais la traiter comme si c'était rien ou si je vais voir que c'est mon propre esprit, que c'est Dieu, que même la poussière que je suis en train de laver est sacrée? Oui, la question c'est qu'est-ce que nous faisons chacun là où nous sommes en fait, hein? C'est comme le colibri. C'est de vivre en harmonie le plus possible avec la vie telle qu'elle est. Avec l'entourage, car en fait nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard en fait. Alors, merci beaucoup. Question suivante de Diana. Comment... L'autre est un miroir. Hein? Ce qui est dérangé dans l'autre, ce qui nous dérange dans l'autre, c'est ce qui est dérangé en soi, là. Si on reste ce qui est dérangé en soi, là, l'autre ne nous dérangera plus. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas Il y a d'autre. une prochaine. Il n'y a pas de soi séparé. Tous les autres sont des aspects éternels de soi-même. Oui, la question, c'est pourquoi on les a créés dans notre réalité, en fait, pour apprendre quelque chose, Ben, réparer quelque chose, en fait. Alors. Il n'y a rien qui. Puis souvent, c'est des choses qui sont enfouies dans notre inconscient, qui attendent le bon moment, la bonne personne, pour revenir dans le conscient, pour être libéré. Parce que ça vient d'une fausse croyance, une identification. Alors, j'ai une autre question de Diana. Comment expliquer les attentats quand on est blessé par une balle? Peux pas. On peut pas? Parce que ça s'explique pas, ça. La souffrance ça s'explique pas, ça se mesure pas. C'est un processus. Moi, je compare tout ça un peu, c'est que okay, l'esprit est le réel, puis l'esprit manifeste le monde comme un rêve. Quand on rêve, tous les autres soi, toutes les autres personnes, ils nous semblent extérieurs nous-mêmes. Et c'est toute la même projection du même esprit. On s'identifie à un personnage. C'est peut-être un clown qui se promène tout nu, mais on croit être le clown qui se promène tout nu. Et puis, dans le fond, on sait que c'est pas ça, mais c'est un rêve. On le croit, le rêve. On le croit réel. Même si le rêve va durer une seconde, en réalité, on va l'avoir duré 10 ans dans notre rêve. Le temps est créé par l'esprit dans le rêve. L'environnement, tout ce qui nous entoure dans le rêve est créé par l'esprit lui-même. Et je vois le monde un peu comme un grand rêve de l'esprit. Et que c'est il y a tout ce qui passe, tout ce qui est impermanent, ça passe, il n'y a rien qui peut affecter. C'est comme les nuages qui passent. Oui, si on s'identifie, si on se croit être le. Tant qu'on se croit être une personne avec un moi, on va souffrir. C'est garanti. Peu importe. Puis, la vie. Moi, je viens de vivre l'année la plus difficile de ma vie. J'ai vécu un deuil, je me suis fait voler, j'ai rentré dans un monastère, je suis sorti, je me suis retrouvé dans la rue. Là, je suis dans un ermitage tout seul, puis j'ai été 4 mois à vivre ma souffrance, puis mon deuil, dans le silence, la solitude. À mourir, à me laisser mourir. Mais depuis quelque temps, je me sens revivre. Il y a quelque chose comme le phénix là, qui meurt à lui-même pour renaître de ses.
descendre. Une fois qu'on vient au monde, tous les gens qu'on aime, toutes les choses qu'on aime, ils finissent par partir. Puis même à la fin, il faut laisser notre corps et notre propre moi. La vie, c'est un processus de détachement, de lâcher prise, d'acceptation, de réalisation de soi, par l'illusion. Souvent, le rêve devient un cauchemar. Puis c'est là qu'on se réveille. C'est là qu'on réalise que, oups, c'est quoi qui se passe, là? C'est-tu vrai, tout ça, là? Puis c'est là que tu lâches prise, puis que tout se met en place, puis quand tu lâches prise, quand le moi lâche prise, le soi, le réel se manifeste. Dieu se manifeste. Et pour ceux qui ont des souffrances physiques, par exemple, la personne qui a pris une balle, là, ou qui ont des maladies, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire, alors? Parce que comment s'abandonner à la douleur, finalement? Moi, quand j'ai pratiqué Vipassana, que j'ai fait le cours de Vipassana qui dure 10 jours, que tu pratiques 10 heures par jour à ne pas bouger, tu viens que tu as mal partout, dans chacune de tes articulations, ça devient incroyable. Et il arrive un point où ce que ta conscience et ton corps, l'esprit et le corps sont un, et que tu vois que la souffrance est une oscillation dans la conscience, et tu es capable, d'aller soit d'un côté douleur ou du côté oscillation. Puis même du côté oscillation, c'est pas de la douleur, c'est rien qu'une intensité. C'est la croyance en la douleur qui l'a créée. C'est la souffrance vient de oh, moi, je souffre. Mais la souffrance, elle passe, il n'y a personne qui souffre. Elle s'expérimente, la conscience s'expérimente par elle-même. Tu veux dire qu'il est possible de s'abandonner à la douleur, c'est ça? Oui. De l'accepter, elle est là, mais ce qui est réel ne peut pas être affecté par la douleur. C'est parce qu'on le croit réel, la douleur est réelle. Pour la conscience, elle est très réelle. Là. Je ne dis pas que la personne qui souffre, elle ne souffre pas. Là. Non, non, c'est très réel. C'est la chose la plus réelle que cette personne-là vit, en effet. Mais souvent, pour moi, parce que j'ai eu aussi, ça m'est arrivé d'avoir des douleurs comme des maux de dents atroces, mais ça, c'est tout le temps, c'est des choses qui sont libérées, puis purifiées, qui sont nettoyées. Après ça, t'es plus propre. Quand tu mets ton linge à laver dans la laveuse, ça brasse. Mais après ça, il sort plus propre. Merci. Merci, Pierre. Alors, j'ai une question suivante. Alors, si vous avez d'autres questions simples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, de Arjuna. Si on se sent dans un environnement non sain, qui ne supporte pas sa croissance, quelle est la meilleure attitude à suivre? Je n'ai pas compris. Peux-tu répéter? Alors, la personne se trouve dans un environnement qui n'est pas favorable, qui est négatif et qui n'est pas sain. Et elle ne peut pas s'épanouir. Quelle est l'attitude à suivre, d'après toi? Soit tu acceptes, soit tu sors. Il n'y a pas de mauvaise décision, là. Peu importe le chemin que tu vas prendre, ça va être le chemin qui doit. La décision, quand elle arrive pour se prendre, elle se prend d'elle-même. Fait que si toi, en ce moment, tu es encore là, c'est parce que tu décides d'être encore là. Quand tu ne voudras plus être là, tu vas partir. C'est simple. Là, tu veux être là, c'est parce qu'il y a encore de quoi que tu as à apprendre de là. Puis, souvent, si on est dans le monde, c'est peut-être pas rien que. On est ici pour changer le monde. On est là pour aider les autres aussi. Là. Fait souvent qu'on est plus on devient transparent, plus ton miroir devient efficace. Et plus les autres vont se voir à travers toi. Tu vas déranger tout le monde. De toute façon, à un certain point, c'est que rien que paraître ce que tu es, tu déranges ceux qui portent un masque. Tu vois à travers eux autres. Tu vois leur souhait. Tu es un avec eux. Là. Fait qu'il n'y a plus de même. Là, à nos yeux, qui peut tenir. Fait que ça, la personne qui est dans l'ego, elle n'aime pas ça. Là.
à réagir à ça, peur de se monter tel calé, d'un coup que l'autre sait tous mes petits secrets, là, tu Alors, justement, pourquoi les personnes qui sont identifiées à l'ego ne supportent pas les personnes qui sont eux-mêmes et qui sont transparents? Ben, c'est, je viens de le répondre. Si tu, ré, si tu recoules 30 secondes, tu vas avoir ta réponse. En fait, c'est parce que ça fait miroir, hein. C'est ça ce que tu disais, mais j'aurais aimé un peu plus de détails. Parce que ça coupe par moment, en fait, au niveau du son. Mais j'espère que ça va être enregistré. J'imagine que c'est enregistré tout ça. Oui, c'est enregistré. Par moment, il y a des petites coupures. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, n'hésitez pas. C'est l'occasion. C'est pas tous les jours que nous sommes en direct avec Pierre Vaillancourt du Québec, qui a failli vivre dans un monastère, hein. Tu restes. J'ai été 6 mois dans un monastère. C'était bien. Oui, c'est une structure qui t'aide à te libérer beaucoup de ton moi, de t'abandonner à quelque chose de plus grand parce que tu n'as plus le contrôle sur ta propre vie. Puis ça c'est très libérateur. Puis quand tu sors, moi, je suis sorti de là, puis je n'ai pas plus le contrôle sur ma propre vie. Je laisse la vie s'exprimer à travers moi, mais je n'ai plus besoin de structure pour me limiter. C'était comme une structure que je me sentais enfermée, qui m'empêchait d'exprimer ce que j'étais. Mais c'est bénéfique pour se libérer. Quelqu'un qui veut vraiment s'abandonner à Dieu, qui veut vivre dans la spiritualité pure, détaché de son ego, il peut aller dans un monastère. S'il voit le réel en dehors de toutes les. En dehors de tout, s'il voit l'homme soi-même, s'il voit que le Christ est son propre, sa propre lumière de son propre soi, il n'y a aucun problème, il peut aller n'importe où. Ok. Alors, question de Tamara. Au-delà de la méditation, une alimentation saine et de l'exercice, comment prendre soin de soi? D'autres astuces? Point d'interrogation. Bon. Moi, je suis pas un exemple pour ça. Je laisse un peu ma nature s'occuper d'elle-même, en fait. Le cœur fonctionne de lui-même, les poumons fonctionnent de lui-même. Tout est harmonisé, le microcosme, le macrocosme, tout est parfaitement synchronisé en harmonie. Pourquoi moi, la vie qui m'habite serait différente? J'ai juste à vivre et à profiter de la vie. Puis oui, peut-être que des fois, il faut que je fasse un peu de ménage, mais c'est la nature. On vit. Alors, c'est vrai que moi, mon expérience, c'est que plus on mange entre guillemets sainement et plus on fait de l'exercice pour augmenter la souplesse, la fluidité dans le corps et plus c'est facile, notamment les éveils de Kundalini, c'est facile. Et ça aide d'un point de vue énergétique. Qu'est-ce que tu reçois là-dessus? Moi, quand j'ai eu mon avis, j'étais toxicomane, j'étais une loque humaine. J'étais pogné dans mon ego. J'étais une grosse boule de souffrance qui voulait mourir. Puis je mangeais des trous de beigne, puis je me nourrissais très mal, puis j'ai eu pareil. Puis cet éveil-là a amené tous les changements par après. Faut pas. L'esprit, il n'y a rien qui arrête l'esprit, là. Si l'esprit veut s'éveiller en toi, là, il n'y a pas rien qui va l'empêcher. Oui, et en même temps, est-ce que tu as changé quelque chose dans ton alimentation Oui, c'est parce que de traiter ton corps physique? la lumière, quand elle rentre, elle change notre corps. Moi, je bien, même si je me sens engourdi, non, je suis plus capable de manger de la viande. Le moins possible. Si on m'en offre, ben, je vais l'accepter parce que par respect pour l'animal qui est mort, qui a donné sa vie. Mais non, c'est le moins possible parce que ça me rend malade, en fait. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez plus d'autres questions,
Nous allons arrêter l'interview d'entrevue. Si vous avez d'autres questions, nous allons continuer. Hein, qu'est-ce que tu en dis, puisque comme nous sommes en total alignement avec la fluidité et en abandon à la vie, voilà, c'est le public qui décide en fait, et ceux qui nous regardent. Hein. Gratitude à vous tous et vous toutes d'être avec nous depuis tout à l'heure. Mais vraiment merci pour toutes ces questions et toutes vos présences. Ben merci Madev pour cette communion qui ne cessera pas, qui est éternelle. Merci à nous. J'espère que ça a le sens de s'éveiller en chacun. Et premièrement, c'est en moi-même que tout cela se passe. C'est à travers vos perspectives qui s'ouvrent que la mienne s'ouvre aussi. Nous sommes un, le même esprit qui s'éveille dans des fonds différents et retrouve l'unité dans l'amour. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit le soi, il n'y en a qu'un seul. Ou une seule d'ailleurs, hein, le soi est autant féminin que masculin. C'est lui qui se réalise évidemment. C'est pas des individus ni des personnes. Et tu disais une fois que le soi se sera réalisé, et c'est toute la planète et chaque un qui sera encore plus réalisé. Tu as dit quelque chose comme ça tout à l'heure. J'ai trouvé ça intéressant. Et chacun participe justement à la réalisation du soi en fait. C'est quand on réalise que toi ouais, est aussi le monde, que le monde est quelque chose de plus grand. Que moi, je suis le microcosme. Toi est le microcosme de ce soi-même dans le monde, parce que le monde, il est en soi. Si je sens le monde en moi, comment. D'affecter le monde, Dieu le sent. Allô? Allô? Oui, il y a eu des problèmes Internet là. J'ai mon téléphone qui n'a plus de batterie, mon ami. Ok, bon, bah, ça va mettre fin à l'interview. Ok. La conscience, elle va continuer. Tout ce qui a été dit, c'est des graines qui s'éveillent en nous-mêmes. Ok. En tout cas, bah, merci beaucoup. Gratitude pour ta présence, pour notre présence. Gratitude à toutes celles et tous ceux qui sont là avec nous. Merci, merci, merci. Et puis, bah, j'espère te retrouver pour d'autres interviews. Merci à tous ceux et toutes celles qui étaient là et qui ont posé la question, qui ont suivi pendant quasiment 2 heures, en fait, hein, puisqu'on est resté très stable au niveau du nombre de personnes. Merci, merci, merci. Et voilà, bah, gratitude pour le soi qui va rester présent, même si le téléphone n'a plus de batterie. Ça, c'est l'aspect humain pratique. Vous voyez la charge de cette poêle. Salut, je suis vraiment heureux de cette rencontre. Et, elle était bien heureuse. Puis, on ne se quitte pas. Bye bye. Merci, Pierre. Bye bye, tout le monde. Là. À bientôt. On se parle sur Facebook. Bye. Bye. À bientôt. Merci, merci. Bye. Je t'aime. À bientôt. Je t'aime aussi. Merci. Je nous aime. Merci, merci. Voilà. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux voilà, qui ont suivi. Gratitude. Voilà. On a pris quasiment toutes les questions. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, je vous dis à demain pour l'émission hebdomadaire de méditation. Voilà, donc demain, il y a du changement car nous allons faire au départ, évidemment, notre méditation de groupe. Nous partirons dans l'hyperespace comme d'habitude avec des étirements, avec les musiques. Et voilà, nous irons sur un taux vibratoire très puissant. Et en deuxième partie, ce qui est nouveau, c'est que vous allez pouvoir passer à l'antenne pour celles et pour ceux qui veulent. Voilà, alors, pour passer à l'antenne demain,
vous êtes un petit peu privilégié car vous avez l'information un petit peu avant les autres, là, comme vous êtes là aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aller, si vous avez un smartphone, un téléphone, vous pouvez aller sur belive.tv et télécharger l'application. D'accord ? Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur le lien demain. Ceux qui sont sur ordinateur, normalement, vous n'avez rien à faire. Vous pourrez directement cliquer sur l'ordinateur. Il n'y a pas d'application à installer. Et ça vous permettra, comme Pierre, de passer à l'antenne. Donc, vérifiez que vous avez de l'Internet bien rapide, que votre carte son fonctionne, que vous avez du courant, vous avez de la batterie et de l'électricité. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Les pourquoi je seront avec la caméra, donc ça va être plus sympa et on pourra avoir une interaction en fait, un petit peu comme je fais pendant les sessions privées, où vous pourrez poser la question pourquoi je ferai une lecture des structures inconscientes et nous dirons ensemble des mantras. Voilà, donc gratitude à BeLive pour cette capacité technique en fait, qui est chouette. Voilà. Alors, vous pouvez partager cette vidéo. Comme ça, nous allons amplifier la vibration. Voilà. Donc, merci. Gratitude. Passez un bon samedi. À tous ceux qui nous regardent en différé, eh bien, bonjour chez vous. Merci. Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre plein de commentaires et à participer aux méditations de groupe du dimanche. Voilà, alors nous allons mettre le générique de fin. Gratitude. À bientôt. Merci d'avoir participé.